Bonjour, alors la vidéo du jour elle fait suite à un commentaire sur la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez avoir une vidéo dédiée à votre sujet s'il est intéressant et si vous postez un commentaire sur les vidéos ou si vous m'envoyez un petit mail, un petit coup de fil, tout simplement. Donc là la question c'est, je suis très très fatigué après la plongée, est-ce que c'est normal? Je fais du motocross qui est hyper exigeant. Et je suis pas autant crevé qu'en plongée. Eh ben oui, la plongée, ça fatigue. Pourquoi ça fatigue? Tout simplement, déjà le fait de se retrouver en mer, même si vous ne plongez pas, vous allez fatiguer avec le bateau, notamment son roulis, particulièrement si vous n'êtes pas habitué. Ça perturbe votre équilibre, ça met tous vos sens en alerte et bien sûr ça fatigue. Ensuite, il est bien connu que l'eau fait consommer beaucoup plus de calories. L'eau est 24 fois plus conductrice que l'air, et donc on perd à équipement équivalent 24 fois plus de calories dans l'eau par exemple. Ensuite, la décompression, c'est aussi un phénomène qui fatigue, puisqu'on absorbe de l'azote, on le restitue. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui font qu'après des plongées, on est forcément fatigué, et c'est le cas même pour les personnes les plus chevronnées. Sauf que il y a une petite différence quand même, c'est que quand on débute la plongée, on a des gestes parasites, des gestes peu efficaces qui renforcent la fatigue, alors que quand on est plus aguerri, on limite les gestes, ils sont plus efficaces et donc génèrent moins de fatigue. Donc oui, effectivement, après une plongée, on est fatigué. Comment réduire ça? C'est de toute façon une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, des bons repos. Après, ça peut être aussi des mélanges suroxygénés, le nitrox. Mais rassurez-vous, si vous êtes fracassé après une plongée, c'est tout à fait normal, c'est le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, les moniteurs de plongée, c'est bien connu, n'ont pas une vie sociale très très forte et se couchent plutôt relativement tôt. Néanmoins, attention quand même, si vous sentez une grosse grosse fatigue après une plongée, on peut suspecter, c'est un symptôme d'accident de décompression. Après, il faut relativiser par rapport aux paramètres, etc. Et je rappelle qu'avant de plonger, il faut éviter tous les facteurs de méforme. Donc, si tu es fatigué après une plongée, c'est normal. Si tu es excessivement fatigué, ce n'est pas normal. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia One. Et puis à très bientôt.